Salut les Sayan, donc je prépare ma boisson pour training, il y a celle du Bolero, celui-là c'est goût goyave. Ensuite j'ai préparé mes compléments habituels, mon pré-training, et puis je vous emmène avec moi à la salle pour un training de bench heavy, donc c'est lourd, 146 série 3, un rep test sur le bench, et upper hypertrophy. On se retrouve à la salle les Sayan. Boum! Donc première série à 140, ça passe facile ce matin, j'avais la pêche. Deuxième série tranquille, au calme. Sixième et dernière série, le M-Rep, je donne tout, j'en passe 5, je suis content. Ensuite, on est passé aux écartés avec halter pour changer. J'aime bien, mais bon, ça tire un peu sur les articulations, mais c'est un bon mot. Écarté vis-à-vis, bon ça c'est du classique, hein. On contracte à fond, on sent bien les pecs, étirement, contraction. On est passé au tirage vertical à la poulie haute, donc voilà, on tire tranquille, on se penche pas en arrière à la branch warren, on fait le travail avec le dos. Donc là j'ai enlevé le débardeur pour vous montrer les contractions des dorsaux. Là, on est repassé au low row, mais cette fois-ci on a pris l'autre prise, prise large, pour travailler plus les rhomboïdes et les trapèzes. Ensuite on est passé aux élévations latérales à la machine, donc on a fait 4 séries de 10-12.
On est passé au curl incliné, on s'est installé sur l'incliné pour les pecs, et donc tranquille, la position, on est bien là. Ah, tiens. C'est bien en plus quand il y a John déjà posé, parce que je vois, regarde. Ouais. Comme il est dessus, je sais que je vais me mettre au même endroit, tu vois. C'est dur de cadrer quand il n'y a personne. Tu sais, sur le plan. Ça a l'air comme ça. Ouais, ça doit être pas mal, je vais regarder. Et on voit ces gros bras là. Ton pote, il met souvent des coms après. Ouais, l'équipe des vidéos d'avant. C'est gentil. Il les a montés. Pour les triceps, on a fait aussi des dips machine, on a fait 4 séries de 10. Ensuite, on a fait des overhead extensions à la corde, à la poulie basse. Donc voilà pour la longue portion du triceps. Pour finir, on a fini avec des biceps, la rescotte à la machine, 4 séries de 8. Mais attends, t'as fumé en plus. Salut les Saiyans, donc là je vous emmène avec moi voir mon nouveau sponsor, c'est Protein Center HL. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Donc là on arrive à la boutique Protein Center, c'est à côté du centre-ville. Il y a toute l'équipe, il y a toute la team. Bah, je vous monte, hein. C'est plein à craquer, hein. Ça rigole pas ici, hein. Ah, voilà. Donc là, voilà, on est chez Protein Center. C'est HL, comme je vous ai dit, près du centre-ville. Bon, je fais un peu le paparazzi, mais... Ah, il y a Cyril et mon poteau. Tiens, vas-y, présente-toi. Boutique Protein Center HL. Cyril et Romain. Romain, t'es là ? Voilà, Cyril, compétiteur, hein, champion de France 2013 en body classique, c'est ça ? C'est ça. Et voilà. Donc voilà, je suis venu voir un petit peu... Trouver ton bonheur. Voilà, puis mon nouveau sponsor, mes nouveaux associés. Partenariat, exactement. Donc, salut les Saiyans, de retour de la boutique Protein Center, donc mon nouveau sponsor. Donc, un pré-workout, un nouveau, que je vais tester à partir de samedi matin. Donc je vous ferai un retour, c'est le Hyde. Des bandes Harbinger obligatoires, nouvelle bande pour le squat et le bench, donc voilà, et des sangles pour le deadlift. Bon, les CM, pour en revenir au sponsor, mon nouveau sponsor c'est Protein Center, ça se situe à HL, près du centre-ville. Il va y avoir un code VEGETA10, donc 10% sur tous les articles du site internet. Et donc la boutique est tenue par Cyril et Romain. Il faut savoir que Cyril est champion de France IFBB 2013, donc il sait de quoi il parle. Donc je vous dis à bientôt les Saiyans, je vous mets le lien sur la vidéo.